Elle n'est donc pas la seule artiste de la famille. Camille Lou, que l'on découvre davantage en tant que comédienne en ce moment, et notamment dans la série J'ai menti, sur France 2, est aussi une chanteuse à la voix d'or. Et elle n'est pas l'unique mélomane du clan puisque son cousin n'est autre que Florentin Cabezon. Les téléspectateurs avaient découvert le jeune homme, qui formait le groupe Arcadian avec Johan Pina et Jérôme Sherman, en 2016 dans la cinquième saison de l'émission The Voice. On ne l'a jamais dit quand il faisait The Voice. À l'époque, le trio avait titillé la curiosité de Florent Pagny et Mika, et avait choisi ce dernier comme coach. Florentin Cabezon, Jérôme Sherman et Johan Pina étaient arrivés jusqu'à une demi-finale du concours remporté par Slimane. Florentin du groupe Arcadian, si est-il mon cousin, si est-il la famille et il déchire. Il est très sympathique, très stylé et ils font des chansons de dingue, révélait finalement la compagne de Romain Loy, auprès du magazine Téléstar, en faisant la promotion de son album Love Me Baby. Si est mon cousin, on ne l'a jamais dit quand il faisait The Voice. Mais voilà, si est la famille. La fin d'une aventure, ils avaient bien joué le jeu de la discrétion. Une semaine avant ces révélations, Camille Lou et Florentin Cabezon s'étaient croisés à Cannes, au Energy Music Awards, sans que personne ne se doute de rien. Le groupe Arcadian était alors nommé dans la catégorie groupe duo francophone de l'année. Malheureusement, cette aventure musicale ne s'est pas poursuivie pendant longtemps. Après avoir enflammé les salles de 2015 et 2020, et avoir sorti deux albums, Arcadian et Marchou Rêve en 2019, les trois compères ont décidé de dissoudre la formation. Florentin Cabezon, Jérôme Sherman et Johan Pina expliquaient, alors, être arrivés au bout de ce qu'ils pouvaient faire et de ce qu'ils avaient envie de faire. Espérons que Camille Lou redonne de la voix, bientôt, pour rattraper tout ça. Retrouvez Camille Lou dans la série J'ai menti, sur France 2, le mercredi 20 octobre 2021.